Parce que pendant très longtemps, c'était les blancs les racistes. Enfin bon, les arabes sont des blancs, hein, je vous le dis quand même pour que vous le sachiez, mais bon. Oui. C'était les blancs qui étaient racistes parce que c'était eux qui allaient chez les autres, qui prenaient les autres de haut, qui considéraient que je sais pas quoi, que les noirs c'était banania, etc., oui. Que tous les autres étaient des dessous. Et puis bon, à force d'avoir rentré, alors je parle de chez nous, hein, à force d'avoir rentré des gens de tous les pays du monde chez nous, on leur a appris à avoir la mentalité de notre pays, la mentalité française. Et la mentalité française, elle fait que à un moment, si quelqu'un a un handicap, on le traite de con, de connard, de handicapé. Si c'est un noir, on le traite de négro. Et on n'avait pas l'habitude d'entendre des gens dire des choses à des blancs. Et ça y est, depuis quelques années, il y a des basanés qui disent des choses à des blancs. Alors les mecs sont offusqués, se disent mais enfin comment ça se fait? Normalement c'est nous qui traitons les jaunes de je sais pas quoi, de Niakoué, les rouges de machin, les arabes de Bougnoul, les noirs de négro. Et comment se fait-il que soudain il y ait des gens qui nous disent des trucs sales blancs de merde, parce qu'ils ont pas réussi à trouver les autres, ils ont pas réussi à trouver un négro, un Niakoué ou un truc pour les blancs qui soit clair, tu vois, qui marche, quoi. Donc ils sont obligés de dire sale blanc, machin. Mais bon, c'est ça, en fait, c'est la mentalité française. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors tu vas là, je te paye. Ajoute maurice.usa sur Skype.